divisé 4, qui est élevé 4 divisé par 5. C'est la vie chaque 20 ans. Non, même année, pour nous rejoindre au président. Et Haïti a prêté le 7 février. Pour nous rejoindre au président de la République dominicaine a prêté le 16 août. Chaque 20 ans. On regarde qui est satisfait. Ça fait en 1996. En 1996, le président président prêté le 7 février 1996. En 1996, Léonel Salomès prêté serment comme président en République dominicaine. Il doit répéter chaque 20 ans. Soit ajouter 20 sous 1996, il va avoir 2016. Ça veut dire, quelle que soit la condition, en 2016, après, en République dominicaine, quand il a dit d'après des serments, 16 août 2016, et Jovenel a dit des serments 7 février 2016. Député, député d'Haïti. Corrélation, pas de gars, bon fini. Okay. Ça, c'est pour République dominicaine. Deuxième exemple. On a regardé les États-Unis, durement d'un président américain 4 ans, librement des serments 2 janvier, durement d'un président haïtien 5 ans, il a besoin de prêter serment 7 février. On nous garde entre 4 et 5 pour jouer une corrélation, c'est ça, le plus petit du diplômé. Ça doit être PPMC. Le plus petit du diplômé entre 4 et 5, c'est 20. Ça veut dire chaque 20 ans, non, même année, un bon président qui a prêté serment 5 janvier, un bon président qui a prêté serment 7 février. Qui dernière fois 4 et 7 Gary? Ça fait en 2001. Le 8 janvier 2001, président George W. Bush, 43e président américain, lui prête serment le 8 janvier 2001 aux États-Unis. La CAI, en même année 2001, le 7 février 2001, président Haïti prête serment la CAI. Il doit être passé chaque condition 20 ans. 20 ans. Bon, moi. Plus 20, l'Ibaïe 2021. Député d'Haïti. Le 8 janvier 2021. Député d'Haïti. Le 7 février 2021. D'accord, député d'Haïti. Ok. M'bon qu'on a mandat fini, ça c'est ou même qu'a réglé ça avec Alfredo là. Bon, m'pose deux questions. Est-ce que un an privé là, il est tout inscrit dans le mandat Jovenel là? Oui. La loi n'a pas conduit les autres affaires. La constitution qui est la loi mère, c'est pas contre des autres. Des autres, c'est nous, en fait, qui est une excellente. Exact. Ok. Moi, comprends. Mais, donc, collègue d'Haïti, en motion, collègue d'Haïti, sous dit des autres qui fait, sous été accroché avec constitution, publication, ou même comme député Saint-Marc, dans le journal officiel Le Moniteur, c'est le président privé qui a publié pour qu'il soit accepté. Non, si constitution n'a pas accepté. Non, ensuite, Dieu se prépare pour résoudre le problème. Ça, madame, c'est commencé. Depuis législature l'entrée, hein, collègue Alfredo, madame. Sans la publication dans le journal officiel, là, ou pas capable de présenter dans le Parlement pour venir prêter serment. Donc, un acte juridique qui posait. Donc, pour qu'il soit accepté, elle soit prêtée, accrochée à la constitution que le pas de président. C'est pas question, pour qu'il soit accepté, nous étions là dans la loi. La constitution. Et si on allait plus loin, nous allons regarder, mandat président 5 ans, si on allait regarder dans l'élection démocratique qui est en 90, à l'issue de l'élection 91, soit ajouter 5 ans sous l'île. C'est un mathématique, corrélation, le plus petit multiple commun, c'est pas qu'à nous expliquer toute l'université, tout le monde qui l'école, pas du monde qui la donne. République dominicaine, la même celle. Mais les États-Unis sont seuls, ils sont deux pays, ça vous comparez avec Haïti. Ok. Très bien. Samuel Tandemain, je vais vous donner deux questions. Je vais comprendre une question, ta réponse tout à l'heure, parce que vous avez dit des autres là. Bon, je vais comprendre. Privé, il a donné tout, ça veut dire que M. a fait 4 ans, plus pas privé, a fait 5 ans. Je vais tout compte ça, je vais tout comprendre. Sauf les dire. On y a l'autre question. Ça fait, n'a pas dit 7 février 2021, parce que mon cycle. Et n'a prêté dans la Constitution, selon ou même, parce que sa Constitution dit, dans l'interprétation pour. Maintenant, Constitution dit, tout le président provisoire, c'est 3 mois pour le faire, pour organiser l'élection. Pour qui ça nous pas tenu compte de ça qui est passé pendant 3 mois, nous t'aider à faire l'élection,
pour qui ça nous quebre parti bon pour nous dans fin en mandat monsieur a et parti le privé de président pour t'organiser l'élection nous tout t'es quitté le passé dans parlement. Bon, yo ne pas que m'a dit gari Haïti débat, Haïti débat. Moi-même, moi pas la bande de président. Des autres, ça a dit qu'on pensait faire des prix de coup d'État qui ont été réussis dans 91. Voilà. Mm-hmm. Mais, tu t'es dit non, nous toujours accommoder nous toujours rapprocher de la Constitution. Même là, nous faisons des autres, nous avons réussi le coup d'État, 91, du coup de 94, ils continuent sous mandat, ils respectent 96 ans. Mais va vous dire 96, qui fait 5 ans, c'est 5 ans 2001. 2001, Haïti Bouté, ils prennent encore, ils kidnappent, ils volent de l'autre côté. Il respecte parce que le gouvernement qui vient de monter, hein, qui fait 2 ans, il continue à constitution toujours. Non, c'est une coïncidence qui fait ça, collègue. Puis quoi dit c'est constitution que tu n'as pas appliqué? Il était capable 1 an tout. Transition était qu'à 1 an, il était qu'à 3 ans. Si constitutionnel là-bas a respecté. Qui dit que le mandat président c'est 5 ans, mais quand même, l'autre 2001 plus 5 qui va donner 6. Nous l'a toujours prévalqué nécessairement 14 2006. Nous rappelons que c'est pas de loi le 7 février 2011, nous nous souvenons ça. Rappelons-nous la fameuse déclaration de professeur Nil Roche qui te dit pas de loi le 7 février 2011 parce que c'est 7 février pour s'y aller. Le gouvernement, le gouvernement, 14 mai 2011. Eh bien, vous ne pouvez pas connaître l'article 74, Jean, quoi la raison de dire là, il subit un amendement. C'est parce que, comme bien je t'ai fait dans ce période, président Matéli, vous critiquez Matéli. Président Matéli, c'est le premier président qui appliquait l'article 54.2. Président Matéli qui est allé aller le 14 mai 2016. Mais étant donné l'article 54.2, sur l'amendement, quel que soit la qualité, mais c'est le 14 mai 2011, il remet le pouvoir. Et nous changez pas ça. Le président Matéli va remettre le pouvoir. Bonjour, je dis, qui est-ce qu'on va pouvoir? Il dit, je suis président Maba Ouli. La loi met pouvoir devant l'Assemblée nationale. Ça veut dire clair. Si je tenu compte de ce qu'on dit, le président Matéli, son monde qui respectait la loi, mais là, son monde qui violait la loi. Après, là, c'est le président privé. Mais ça me dit, il violait la loi. C'est ça, il dit. Si donc que l'Africaine, l'article 54.2, le président Matéli passait 4 ans, 9 mois au pouvoir. Maintenant, élection vite faite. Alors, thèse collègue là, moi pas adhéré ma velle. Moi dis ça clair pour la simple bonne raison que président Jovenel Moïse l'a prêté serment le 7 février 2017. Sous te vle le respecter, sous vle que le respecter cycle, c'est pas 7 février 2017 où tu as fait le prêté serment pour que l'esprit et législateur là, t'es respecté. Et m'bral dit, moi, collègue d'Haïti, il saute fait une comparaison entre République Dominicaine, bon, bien que chaque pays a une constitution par eux. M'bral dit, un exemple qui saute passé là. Question coronavirus, élection en République Dominicaine pas arrivé faite dans date constitutionnelle. La classe politique dominicaine, comme de monde qui a avisé, l'élite, yo dit président Danilo ou a prêté en fonction en attendant que l'élection arrive faite soit quelques semaines ou un mois après. Mais constitution yo a comment arrivé dans date constitutionnelle la président actuel là il va aller, il pas prêt à dire que il t'a perdu un mois ou bien 2 mois. Donc c'est dans tête nous tellement rien fait coquin. Donc président depuis sous président Préval, nous pas besoin que c'est une disposition pour nous mettre dans constitution pour nous dire que c'est 7 février que le président doit partir dans la 5e année mandat. C'est amalgame ça que nous venons rentrer dans la constitution. Patrick Alexis, il faut qu'on ait que c'est sous téléphone, nous avons recevoir le député, mais est sous téléphone de Gaulle, là, sous besoin d'avenir. OK. Donc, c'est là que nous venons un problème. Et ensuite, collègue d'Haïti, vous pouvez admettre, concéder à vous pour aller en élection sous question décret électoral. OK? C'est lui qui régit toute partie politique qui a l'inscrit au courrier, donc son décret,
mwen wè ancien premier ministre parti m tout à l'époque président ancien secrétaire général parti Kid qui Evans Paul que m'a salué il était signé comme ministre comme premier ministre décret ça et son décret gen un pile problème déjà nous pour aller dans article 45-2 mon connaît collègue d'Haïti gen décret à sous yeux l'appel tout la durée du mandat du sénateur de la République est de 6 ans, conformément à l'article 95 de la Constitution de 1987 amendé. Puis devant, article 46, le renouvellement du Sénat se fait par tiers. Donc, si on dit tout sénateur, il y a 6 ans comme mandat, qui j'en aura calculé pour faire renouvellement par tiers? Est-ce que ouais, on texte que toute partie politique, yo, c'est sous lit, y compris moi-même, que dans l'élection, pas fait de bas sous lit parce que au niveau parti politique, nous pas gagné pratique démocratique ça vraiment pour faire débat. L'on texte qu'on s'assortit directoire parti et quel que soit parti a pas fait débat sous yo, tout à l'inscrit et c'est ça qui mettait conflit qui gagne là au niveau mandat sénateur parce que tout gagne du, même durée elle pas capable bien même durée puisque cycle constitutionnel là dépend. Député d'Haïti, une minute m'baou. Est-ce que vous avez même position sur ça, Sodia? C'est vrai, la Constitution, il parlait de deux ans. Chaque deux ans, on doit renouveler tel an, tel an. Et il dit mandat en six ans. Mais ça, c'est dans l'élection générale, collègue Alfredo. Dans l'élection générale, là, on va avoir le premier sénateur en deuxième ou troisième. Moun qui est la plus forte pour la six ans. Deuxième, là, qui est là, quatre ans, troisième, là, dernier, deux ans. Et on va l'entrer dans l'article 93, la première qui va l'entrer tiers, là. Mais qui l'élection a organisé chaque année alors? Non, laisse ça, tout à l'heure, oui, c'est pas égal. Je vais avancer avant. L'élection générale, par exemple, avec Aristide, ensuite après Val. Mais Val a été général en continu. En 2012, en 2014, le président matérialise de sélection par sélection. Et c'est ça que fait. Soit regardez, notre décret électoral, mars 2015, il a fini en 50.3. C'est ça que vous pas comprendre. Dans l'article 50.3, il dit qu'à l'occasion des élections sénatoriales, il dit qu'à la fois un renouvellement et une ou deux vacances. C'est ça que vous mettez en face. Il y a un renouvellement qu'a fait, par exemple, sur le cas de la chronique. Le renouvellement, c'est grâce à Delba qui a remplacé sénateur, regrettez de moi, Annie Joseph. C'est le renouvellement. Mais dans la chronique, il y a deux vacances. Il y a une vacance 2012 qui n'est pas comblée. Des vacances 2014 là, qui n'est pas comblé. Et Gary, c'est sous article 50.3 ça, où il est dit que les deux tiers, mandat deux tiers sénateur. Collègue d'Haïti. Et te donner que l'élection de l'État en 2012, lorsque l'élection s'est pour Green Sénateur, la perdu pour 6 ans. En 2012, sous propre, et vous qui êtes le 2012, on met qui sous la base 2018. Sous le monde qui est lié en 2014, on est sous la balle 2020, et du Sénat continue et avancer chaque deux ans toujours. Non, mais c'est là, c'est collègue d'Haïti motion, ou à quoi de motion ça, c'est là que chaque fois que nous perdons, nous, électoral là, il faut que nous recommencions à zéro. Parce que c'est 2, 4, 6, en 80. Première élection qui fait sous l'égide constitution 87 là, il fait en 91. Tu gagne un groupe sénateur qui était élu pour 2 ans, un groupe pour 4 ans, un groupe pour 6 ans. OK? Donc, ainsi de suite que le doit continuer. Automatiquement, on gagne élection au niveau sénatorial, il y a une discontinuité dans le cycle électoral là. Donc là, on ne peut pas tenir compte de 6 ans. C'est ça, Babdjou, que les conseillers électoraux, ils ont péché parce que ils ont dû résoudre le problème. Ça, c'est 2, 4, 6 que l'ont dû dans le décret électoral 2015, collègue d'Haïti. Ils n'ont pas dû tenir compte de dispositions avant. C'est dans la tête où Wab dit que le mandat sénateur a commencé 2012. Non, il n'est pas capable pour ça. Nous allons aller à l'article 50.3, décret électoral de mars 2015. C'est ça le dit, collègue Alfredo. Il parlait de un renouvellement, il parlait de deux vacances. Une ou deux vacances.
une fois, par exemple, là, il y aurait juste problème là. Quand on est, il y a vacances, il pense qu'il y a vacances. Depuis 2012, un deux article 58.3 aujourd'hui. C'est ça, nous devons faire débat avec au niveau du Parlement. C'est dommage, c'est là, nous devons faire parce qu'on va quitter le travail. Donc, c'est bagage que nous devons venir avec argument contre argument, un deux Parlement, sous tribunal, pour nous faire valoir, pour dire nous. Article 58.3 est clair. Il parlait de un renouvellement, une ou deux postes, une ou deux vacances. Ça veut dire qu'on vacances. Et soit le cas des vacances que conseil a parlé, c'est de 2012-2014. C'est de 2012-2014, il y a l'élection faite. Donc, on y a pour nous retourner encore. Et puis, il résout le problème, ni deux ans, qui a fait là deux ans, il résout le problème, tout sénateur, il est possible. Je te le concède, collègue, selon article 50.3, d'accord. Mais on loi, alors on décret, il y a même importance avec on loi, li doit être limpide, li doit être clair, li pas doit prêter à équivoque. Pour qui ça, conseil électoral ou bien gouvernement qui écrit en loi, li dit un tiers ou deux tiers. Donc là, il prête à équivoque. Donc en loi, on décret, li doit être clair et limpide pour que pas prêter à équivoque. Décret ça, c'est base conflit qui est là. Au niveau mandat. Très bien, merci. Okay. Très bien. Samuel. Ok, Samuel, on a thématique rapidement. Et suite à la discussion à faire, parce que Val, comme avocat, il va continuer le débat avec nous là. Moi, ouais, toute difficulté gain. Hein? Mm-hmm. Et nous tous deux, nous reconnaissons des problèmes, des interprétations qu'on a fait d'un côté comme de l'autre. Monsieur, est-ce que nous pensons, aujourd'hui, les nécessaires pour changer la constitution pays. Bon, je vais répondre avant collègue d'Haïti parce que normalement, discussion que de question fin mandat ou pas et de conflit qui vient dans le décret électoral là, ce n'est pas moi-même ni collègue d'Haïti qui t'a dû faire débat ça là parce que la constitution prévoit un conseil constitutionnel. C'est à pour le conseil constitutionnel là, si nous t'es quoi dans l'institution, nous t'as porté dossier ça devant et t'as tranché avec autorité. Ce n'est pas un groupe d'individus ou bien leader politique ou bien d'anciens parlementaires qui t'a dit telle date ou telle date. Non, en fonction de côté le positionner, c'est la loi qui doit guider nous. Ou parler de changement de constitution, nous-mêmes, nous n'avons pas admettre qu'au niveau constitution, il y a un pile bail qui doit changer. Et depuis le Parlement, il y a une commission qui travaille, une commission que le président Scholz était monté et côté que il y a 9 membres qui étaient fait partie de commission ça et là encore nous failli parce que question amendement nous pas arrivé faire à temps parce que non amendement constitution parler de amendement et nous même comme législateurs qui prêtait serment sous constitution ça nous devons appliquer à la lettre donc nous conscient que il y a deux bails qui doit changer dans constitution même dit clair constitution 87 que nous t'ai prêté serment. Bah, aucun côté, il parlait de référendum, aucun côté tout, il parlait de transition. OK? Donc, nous te doué statuer sous question amendement, que ce soit nous te massacrer tout article, tout plus que 200 articles qui étaient un seul même, ou bien essence et constitution, hein, non amendement capoté tout changement qu'on voulait. Exécutif là, tout. Non amendement que le capoté tout et changement que le dévelé au niveau de. Constitution, mais moi-même, comme ancien législateur, la difficile pour m'accrocher à la question référendum. Toujours est-il, pour parler de référendum, et devant un consensus national, les lois se taisent. Si il y a un consensus, toute force vive nation, parce que m'entendez changement de constitution, tout dans bouche à l'opposition, pas des moindres. Donc, si le pouvoir et l'opposition, si au bon point que ont entendu, c'est sous changement de constitution. Mais le comment? Donc, je crois que vous devez chita. Si que toute force vive nation chita autour de ça, pas gagner toute loi, toute barrière à craser. Mais ce qui est consensus, à mon avis, au courant. Et pour le reste, maître Valéné,
Val, et donc la question de la constitution. Député d'Haïti, donc Baron Esgon, en réaction par rapport à. Bien sûr, moi-même, moi, entièrement d'accord avec collègue Alfredo. Il va pas dire l'autre bagaille qui mal parce que son homme m'a suivi sur le prêt. Et il pense que il fait valeur pour qu'il soit en 250e dictature. Ça dit donc que la constitution soit, il ne parlait que parler de référendum. C'est une violation totale de la constitution que le président Jovenel l'a fait là. Imaginez-vous, le président Jovenel a sauté au dossier, question référendum, pour question élection. Même juge, elle va viser la constitution, non, monsieur. Donc le pays, monsieur, Jovenel a arrêté l'autre. Violation de la constitution, la loi mère, pour arrêter. Donc je veux dire, c'est la situation, ça. Une situation de fait. Oui, constitution des problèmes. Pour qui ça? Si que pas de un accord politique, Jean, député Alfredo Dil, les forces vives de la nation, pas oublier, la constitution, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire de PHTK, de Jovenel avec l'équipe. C'est tout le monde. Je dis aussi que le parlement et la constitution, et bien, le sénateur, le mandat, c'est le 2018. 51e a commencé depuis le 13 janvier 2020. Nous, comme ça, ça ne dit pas qu'on est l'élection, non? 51e a commencé lui-même. Donc, il y a un problème. Et sans que nous parlons de l'autre bagage. Mais je ne sais pas, m'a dit. Les gens ont sorti Pierre pour demander de changer la constitution pour hier. Les gens nous calculent les députés. Commission a fait de son parlement. Il a le parti, non? Je venais de gagner majorité dans la Chambre des députés. Majorité dans le Sénat. Pour qui ça va t'appuyer sous commission? Que Charles veut te mettre sous place, que tu ne diriges pas, Jérita Dieu, pour que quelqu'un avance avec pour amendement de fait. Non! Je venais de faire un dictateur là, parce que monsieur nous clair sur ça. Collègue Alfredo, en tant que législateur, il dit tout ça. Pas de question de laisser le dom. Pas de question ça du tout. Qui vous a fait le référendum là? On dit tout pas. Le n'est pas même légal même. On parle de transition, tout, oui, collègue. Non, c'est ça, nous. Il y a un peu de temps, mais nous vivons une situation de fait. Par exemple, je vois un collègue Alfredo parler de transition, même du tout. Constitution, pas prévoir. Non. Premier ministre de facto tout non. Constitution, dans l'article, il est clair, oui. Il dit que dans l'article choix premier ministre, article 37 de la Constitution, il dit comment vous faites choix premier ministre, oui. C'est un accord, pas consultation. Président de chambre, pas du Sénat, si un Sénat est là, mais pas du chambre député, là, on a un problème. Article 58, là, il demande que cette assemblée, députés, assemblée Sénat, qui vous valider pour voir premier ministre, oui. Ça, ça ajoute à faire là, continuons du tout. Nous avons une situation de fait, et peut demander que nous tous nos magouilles, nous avons une situation de fait, il faut que les gens de loi, les gens qui ont parlé, il faut parler pour que le 10 Jovenel arrête le 7 février 2021, Jovenel de côté échappé de ciel là, bâti le Sénat, devant le Sénat, pour que le constaté modal fini, et à part à tout le GPN, qui va me citer le Jovenel qui est 7 février 2021 dans le palais national. Je joue dans le bar et sénateur, bien vos parlements, ils mettent pas les cabarets, ils n'ont pas bien quitté Jovenel Lopé, ils n'ont pas les 7 février 2021. Il y a un GPN de Bouéclopé, il a dit, monsieur, mon temps fini, ensuite à rencontrer. Si Jovenel de Dieu m'en a continué, Jovenel qui doit porter plus de tribunal pour le ministre de l'entreprise, j'en sais là, ton Tessal, vous dites non, mon temps c'est 2021, c'est pas 2022. La 2021, laisse ça, l'avenir avec avocat, Richard Doré et professeur Libéris, il y a discuté le tribunal de première instance, mais mandat fini le 7 février 2021. Mm-hmm. Et alors, moi, je vais aller ces questions-là, en fait, à vous-même d'abord, député d'Haïti, et pratiquement, c'est également à député Alfredo, puisque justement, nous sommes d'accord que nous parlons de transition. Bon, on prend deux hypothèses. On dit hypothèse que le rapport de force fait que le président Jovenel lui-même est obligé d'aller en 2021. Donc maintenant, dans ce sens-là, qui s'apprend le fait, puisque vous dites vous parlez de question de transition du tout. Bon. Question à vous, à vous-même, et d'abord, et okay. Alfredo. Même si vous êtes républicain, je crois que je crois dans la valeur républicaine, je suis accroché avec des institutions. Et aucun individu pas qu'à plus fort que loi ou que constitution non pays démocratique. C'est institution pour nous faire promotion pour eux. Donc élection,
c'est un moyen légal que tout pays qui choisit démocratie comme modèle de gouvernance pour que citoyen a le présenter qui voulait aller dans renouvellement personnel politique yo, pour présenter devant souverain yo, avec programme yo, pour convaincre population pour voter pour eux. Pour moi-même, moi j'étais accroché à ça. C'est seul moyen que démocratie a bail pour mon accéder au pouvoir. C'est à travers les élections, c'est pas les unes. Donc question ti passe coûte chemin crochu ça et c'est eux qui mettent nous dans instabilité politique chronique que n'y est depuis sous égide constitution ça 87 ou pas jamais une institution démocratique yo, qui a fonctionné vraiment à plein rendement. Constitution pas prévoit un jour capable par le parlement. Il pas prévoit un jour aucune institution qu'elle prévue dans la constitution pas capable fonctionner parce que son moteur c'est toute pièce doit marcher pour que moteur fonctionne. Donc question conseil constitutionnel qui pour débattre pour trancher sur des décisions de conflit au thème en terme de loi et constitution faut institution ça remonter. Donc moi accouché à question à valeur démocratique yo, qui dit que on prend pouvoir à partir les unes que quel que soit groupe qui voulait accéder au pouvoir c'est l'État ou bien le gouvernement en place pour créer conditions pour que citoyens soient capables aller dans élection un climat qui propice à ça question le grand banditisme qui cap régner en maître. Non, surtout dans la zone métropolitaine non, pour résoudre problème ça ou la police moyen question d'autres ministères c'est comme si moi aux abonnés absents au ministère donc au ministère des affaires sociales faut gain de travaux à haute intensité de main d'œuvre qui a fait dans la zone ça pour créer travail pour que ou retirer population civile là de bandits qui a metté comme de travailleurs sociaux c'est eux qui papa bon cœur. Donc, il faut que l'État prenne la population en main. Donc, pour que le climat qui propice, pour que les citoyens aient une élection et pour choisir le monde. Parce que nous sommes gardés la transition démocratique qui est aux États-Unis. En dépit que nous avons une institution et le président Trump voulait faire affaire parle, mais institution tellement forte, on dit, monsieur, halte là, que c'est le premier citoyen et pays, grande puissance. Nan, mais c'est institution plus fort pas si c'était volonté il y a un monde qui t'a passé aux États-Unis c'est Trump t'a prêté là c'est institution donc d'où la nécessité pour nous faire promotion pour institution pour que les ces institutions qui a fonctionné c'est l'ensemble des institutions qui a banou un pays qui démocratique un pays qui a marché bien député d'Haïti en fait si bien comprendre conclusion que député ou fait là député Alfredo c'est dans l'élection pour aller mais député d'Haïti et pour même est-ce qu'il y a un climat et gagner un décor qui planté qui favorable à une éventuelle élection de l'Haïti. Non, nous pas qu'à parler de l'élection avec Jovenel pendant mandat la fin septembre 2021. Septembre 2021, c'est dans quelques jours. C'est Jovenel qui crée transition. Jean que collègue Alfredo dit là, il dit non transition de fait parce que président Jovenel pas jamais chercher gagner un accord avec les forces vives avec l'équipe de l'opposition ou que je suis capable d'aller vers les élections. Donc situation que nous vivons là, collègue Alfredo, nous pas capable parler d'élection. Bon. Nous pas capable parler d'élection parce que nous pas même dit KEP. Parce que qui t'a dit nous mes amis, KEP là. Si tu dis la justice, je dois arrêter eux. Je dois arrêter eux parce que même ça plus facile là oui, à prêter serment devant cour de cassation, pas prêter serment, tout nous va le gager. Est-ce qu'on accepte que Kounia là, président Lambert qui vient président du Sénat, l'a accepté que la couche fait des comptes, investir des contrats pour calquer sa prochaine l'argent? Mais non, comme Jovenel entre dans l'illégalité longtemps, la continue dans l'illégalité pour que la justice, on le croise à elle de tout mal ça qu'elle fait payer. Jovenel n'a pas qu'à parler d'élection, collègue Alfredo, pas de KEP. Jodi même pacte électoral démarre l'ordre là, il n'y a pas quoi prier pour que nous ayons l'élection.
Je dis, moi-même, la forme limitée pour ma latimonie, parce que tout le côté m'a pas rentré. Parce que gang armée, elle est prend toute ville, elle prend tout département, quand on m'a donné le travail. Qui est en train de faire l'élection là? Qui vous dit pas le voter tout? Le collègue d'Haïti. Du kidnapping, alors il faut le faire. Du kidnapping, il y a une sécurité. Nous ne pouvons pas parler d'élection. Élection avec qui est-ce? Moi, je ne sais pas pourtant. On a gagné de parler des élections. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, il y a 11 élus. Le 7 février 2021, après ces 10 élus, nous mettons critiqués, j'en ai critiqué. Président Jovenel, lui doit porter chaque présidentiel là devant lui au Sénat. Nous, même dans ce pays, il y a un dialogue pour qu'on parle de transition, pour qu'on cherche ensemble avec l'opposition. Qui est-ce qui va le président? Qui est-ce qui va faire ça? Pour que nous résoudons ces problèmes avant même que nous allions vers les élections. Parce que Jovenel, nous ne cherchons pas encore. Nous ne cherchons pas encore politique avec PHTK. On est toujours par exemple ça. Il y a un monde de PHTK qui est capable de suivre longtemps. L'Iné Balthazar. Nous cherchons un homme sérieux. Moi-même pour moi-même. Nous cherchons un homme sérieux. Parce que plusieurs fois, Jovenel était dans la commission. Jovenel, je vais être contre M. Biden Mission. Même si avec Evel Paul, la commission pour aller vers le dialogue. Jovenel, dit pas de rien que t'as vu, tout sujet qu'a discuté. L'élu de Jacques Bell, il dit mandat 2021, mais j'aurais tiré quand il y a un journal de Dio, mandat à sous table. Donc, il y a beaucoup de sérieux de PHTK. Nous calons à quoi politique à PHTK avec un représentant de la couline dans sa zone. Son nègre va suivre, son monde va suivre pendant des années. Et ma vie, je ne parle avec plus de 3-4 ans. Son monde qui dit colonne vertébrale, dans ce cas, il y a des mondes dans le PHK qui dit colonne vertébrale. Mais en dehors des autres, collègue d'Haïti, bon, on pratique en pile au niveau parlement, mais qu'on n'est pas un sacrifice que ou même ou pas fait pour le pays, ok? Au-delà de orgueil, nous, de contentieux que nous sommes capables bien, mais le pays a livré avant nous tous, ok? C'est seulement bien commun que nous avons. M'a profité de saluer le président, actuel président du Sénat, sénateur Lambert, que dans plusieurs interventions que il parlait pour que joignions un dialogue politique pour que nous arrivions vraiment avec un compromis pour arriver à pacifier le pays. Parce que, comme la plus petite cellule dans une société, si papa avec maman pas entendu, yo, wap jwenn an pile problème. Si moun yo gaye nan la rue, wap jwenn bandi et délinquant juvénile, la délinquance juvénile parce que papa avec maman pas arrivé entendu. Yo. C'est même gens au niveau pays à macro que si l'opposition et le pouvoir, c'est deux entités ça qui composent et la classe politique. Si que yo pas arrivé mette orgueil yo de côté. Pour dire qu'il y a priorisé Haïti. Nous pourrons aller vers un dialogue politique. Parce que depuis qu'il y a un conflit, il faut que nous chita. Et démocrate, une vertu en démocrate, dans la démocratie, il faut dialoguer constamment. OK? Donc, il y a plusieurs dialogues qui arrivent à échouer. Même parce que les collègues d'Haïti, ou sont d'accord avec eux, que la classe politique, là, que ce soit pouvoir, opposition, ils doivent chita autour de une table. Pour que yo joigne un accord et président Sénat moi crois que li livré à ça livré que un accord politique pour que pays arrive retourner dans gouvernabilité pour que gen la police joigne moyen yo ba la police moyen le gouvernement accorder de moyens à la police pour que le capable faire travail et tout l'autre ministère qui doit porter service public ba la population Baili pour que nous ayons un climat qui a apaisé, un climat qui serein pour aller vers les élections. Je suis pour un accord politique et collègue d'Haïti, mais il doit être entre le pouvoir en place et l'opposition. Même pas pral pour des désaccords parce que moi son en 2004, j'étais dans la rue, j'étais dans la manifestation, on comprend contre le pouvoir Lavalas. OK? Et je toujours admettre abdi ça. Mettez-vous maître Renaud Georges qui t'a demandé pour que, plutôt d'aller vers un accord politique avec président, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, au lieu que d'aller vers un taboula rasa, crasé, fait que président parti en exil, et jusqu'à présent, et ancien sénateur, et Danny Toussaint à l'époque, il t'a dit que dans 48 heures suffit pour que le mette l'ordre.
nous connaît qui quantité désordre, qui quantité vie, jeunes garçons, jeunes femmes, en pile entrepreneurs qui mourit dans des conditions difficiles après et départ président Jean-Bertrand Aristide parce que il était fait dans condition que il était fait là. Nous-mêmes nous pourrons accord politique entre la classe politique pour question conflit ça nous connaît que question mandat sont faux prétextes liés. OK? Si nous étions dans l'esprit moi me convaincu dans l'esprit législateur là mais article 134.2 il commençait pour monde qui prêtait serment avant 7 février. Mm-hmm. Automatiquement qu'on prêtait serment le 7 février, mandat a commencé c'est 17+5 même, 2022. Même si pratiquement il pas ouais côté 17+5 de manière claire. Parce que le public ou pas capable de distinguer. Mais on connaît son constitution. Ou amendement qui fait. Même Jean, collègue Alfredo, vous n'avez pas dit tout, madame, t'as fini deuxième le 10 janvier 2021. Non, non, ou pas capable, constitution, ni décret électoral, là, le traité chaque élu séparément. La Chambre des députés, législature noire, lit c'est 4 ans, collègue d'Haïti. Commencez à partir de deuxième lundi de janvier 2016. OK? Sous River à retard, donc, ou pas capable de dire que mandat là pour commencer. Donc, il est différent de un mandat présidentiel et il est différent de un mandat et sénateur. Alors moi, je voulais... Député d'Haïti, comme moi, je dis à la même chance pour que moi échange avec deux et anciens parlementaires, moi, je voulais poser en fait une question ça à nous-mêmes. Son question qui n'a pas adressé à nous-mêmes, et ce sera la toute dernière question puisque, en fait, nous avons privé dans la fin et émission. Maintenant, non, moi, en face de la moi, il y a le député Alfredo qui saluait et le président du Sénat. Et, ou même, en fait, de l'autre côté, et de l'Artibonite étant, où dit que, en fait, si éventuellement, en fait, le président Jovenel a allé, donc, il faut qu'il y a le remettre. Et chaque président, c'est là, tiré le Sénat. Bon, maintenant, question que nous avons posé, nous deux, comme deux législateurs, esclaves de la loi, parce que m'entendez depuis Alfredo qui a parlé, moi si j'en fait tant de autour très souvent et nous très souvent parler. Maintenant, sous qui, par exemple, puisque la différence qu'il y a entre le président de la République, qui c'est l'unique personnage qui occupe le poste là, avec le Sénat, donc le Sénat, son pouvoir d'assemblée. Depuis le 2 janvier 2020, donc on est Parlement globalement dysfonctionnel. Sénat de surcroît dysfonctionnel, puisque justement, c'est 10 sénateurs qui étaient. Maintenant, aucun sous pouvoir. Base ça, qui base légale qui gagnait par exemple, et même base légitimité, parce que moi-même, je vois quelque chose, quoi. Légitimité, un acte parlementaire, je précise, hein, pour moi-même, légitimité, un acte parlementaire, c'est à la majorité. Dépend de validation. Donc, assemblée à deux actes là. Sinon, il n'y a pas rien. Parlement dysfonctionnel, vous dites souffrir et député. Question, c'est pour nous deux. Mm-hmm. Parlement dysfonctionnel, Sénat lui-même, comme assemblée souveraine, il est dysfonctionnel de par lui-même, sous qui base, donc je dis à là, bon, qui force, qui base légale, qui base légitime, et que je dis à là, en fait, tirer Sénat, il vous présenterait avec le président. À vie. Sinon, on t'a dit, en fonction administrative. Moi, non, même ligne avant, et Medval, et très apprécié position, ça, pour dire. On acte législatif, c'est pas la constitution et même règlement intérieur a dit comment que vous prenez. OK? C'est pas pour rien que sans majorité, en majorité relative, ça dépendamment de qui ça qui a voté. Des fois que constitution qu'on demande majorité absolue, ça dépend de qui ça qui est en jeu. Mm-hmm. Donc, on acte législatif, il n'est pas pris avec un groupe d'individus. C'est en assemblée. Et il est clair depuis le deuxième lundi de janvier que le Sénat est dysfonctionnel, le Parlement est dysfonctionnel. C'est vrai, comme républicain, c'est Gontier Sénat que mandat est défini. Le deuxième lundi de janvier 2023, il faut que nous accrochions avec elle. Ce n'est pas eux-mêmes qui fait que pas l'élection. Mandat ou à deux fêtes que mandat ou à debout. Mais le collègue d'Haïti dit, deuxième lundi janvier, pour le président, admettons, il m'a dit,
et par malheur, on apprend ou bien accidentellement que pour président tapoté échappe, on m'apprend pour 2022, hypothèse que l'élection va arriver faite en 7 février 2022. Donc, que mandat président arrive à terme, échappe là, il n'est pas capable de porter devant tiers sénat. Constitution dit c'est devant l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Ou pas l'Assemblée nationale, le Parlement est dysfonctionnel. Vous comprenez? Donc, que. L'aime faire référence à sénateur Lambert, c'est comme homme politique qui a pile expérience et moi, en pile crise que nous y là actuellement, moi que si c'était pour sénateur Lambert, nous va t'a privé la donne. Moi, expérimenté sénateur Lambert, li pour que le pouvoir en place, et ça, c'est pas Kounia, depuis plusieurs mois, li pour que, si m'a dit à lui-même, li pour que classe politique là, et le pouvoir en place, il veut joindre un accord politique. C'est dans ce sens-là que je fais référence avec sénateur Lambert, mais loin de référence que nous avons fait en 2016, que nous avons prêté serment et que sénateur Jocelyne Privé à l'époque était président de l'Assemblée nationale. Sénateur, député Samuel d'Haïti, une minute, conclue pour nous. Non, Gary, il faut qu'il y ait mon petit temps. Parce que non, nous y vais. Moi, comprendre que ça député Alfred dit avec Val, faut qu'on ait que nous, une situation de fait, premier ministre légal, illégitime, gouvernement clair, légitime. Donc, comment nous faisons dire, nous pouvons dire qu'il y a des postes propres, là, fait tout le bagage pour ça avec le gouvernement, et puis, il n'est pas légitime. Bon, il n'est pas légitime, qui ça n'a pas là? Certainement, m'a dit nous que. Le Sénat est inamovible. Il n'y a pas de suspendre fonctionner. Quel que soit le grand sénateur, il n'y a pas encore fonctionné. C'est le représentant du peuple. Pas oublier, les parlementaires sont des commanditaires de la souveraineté nationale. Ouais, la souveraineté nationale. Mais faut faire séance. Député. Faut vous faire séance. Député d'Haïti, c'est le Parlement qui est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Et le pouvoir. Il y a des droits avec Napoval, pas qu'à participer. Non, non, pas que nous devons connaître. Président, parlementaire, vous êtes des compositeurs de la souveraineté nationale. Souveraineté nationale, c'est pour le peuple. Quand le Parlement est fonctionnel, député d'Haïti. Le fait que, il y a une présence des sénateurs encore qui représentent des départements, ils représentent le peuple. Je dis, on dit 11 élus, le 7 février 2022, après 10 élus. C'est 10 élus qui a conduit le pays vers le dialogue. Est-ce que ça veut dire, président Jovenel a porté échappé là par le président Lambert? Bien sûr, nous devons porter échappé là devant le bureau du Sénat. Pour le Sénat, le seul échappé là dans le Mupana, pour le pays à nos dialogues avec le président. Merci beaucoup, Alfredo, conclure-nous. Ma priorité, ça me dit dans la conclusion, pour que le pouvoir en place, l'arrivée, joigne un accord politique avec l'opposition pour éviter pour le pays de tout problème qu'il y a confronté actuellement. Sans un dialogue inclusif, sincère, le pays nous fait carré dans le problème. Donc c'est pour ça que nous-mêmes nous prôné en tant que républicains le dialogue pour que le pays arrive débloqué. Merci député Alfredo, merci député d'Haïti. Donc nous remercions tout le monde qui a pris l'émission. Ça c'était avec nous. Deux anciens parlementaires, mais sous question de tirer sénat, d'après un point de vue différent. Merci tout le monde, à lundi pour notre émission Haïti Débat.